Bonjour à tous, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que cette rentrée de septembre aussi s'est bien passée pour vous. Voilà, les choses se remettent en mouvement à plein de niveaux différents et c'est une bonne chose après la période que nous venons de tous traverser. Voilà, donc j'avais pas forcément d'idée claire en tête concernant la prochaine vidéo, donc j'ai vraiment demandé au guide ce qu'il me conseillait actuellement au niveau des énergies, sur quel sujet je pouvais faire une vidéo. Donc on m'a parlé de doute. Voilà, donc ça va être le sujet principal. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais juste prendre quelques minutes pour transmettre un message important des guides, un message commun, mais qui s'adresse à vous aussi, vous qui regardez la vidéo. Et ensuite, bien, je vous inviterai pour approfondir et pour peut-être personnaliser encore plus le message à choisir avec ces trois tas. Voilà, de toute façon, vous trouverez, n'oubliez pas, tous les timings, le minutage en bas de cette vidéo. Et aussi des informations si vous souhaitez me contacter, notamment pour des guidances véritablement privées en tête-à-tête. Voilà. Alors, mais déjà avec ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que vous allez obtenir, et j'espère en tout cas, des éléments de réponse, des éclaircissements, de la lumière. Hein, j'ai vraiment ce mot lumière, lumière, lumière sur les épreuves que vous traversez actuellement. Alors, donc je vais juste prendre quelques instants et demander la guidance pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, toutes les personnes qui sont dans le doute actuellement. Alors, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes aujourd'hui à un tournant, à un carrefour. En tout cas, vous savez qu'il y a des décisions importantes à prendre, des choix aussi, des choix vraiment conscients à effectuer. Et il y a le doute qui s'installe pour beaucoup parce que bah, derrière, il y a des peurs. Voilà. Et alors, la principale peur que je ressens pour vous, pour nous aussi, parce que c'est vraiment un tirage général. Donc, la principale peur, c'est la peur de l'erreur, la peur de l'échec, la peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Hein. Il y a la notion aussi, quelque part, de bien et de mal. Les valeurs de bien et de mal qui sont, quelque part, bah, au cœur de la problématique aussi, pour beaucoup d'entre vous. Mais principalement, je ressens cette peur, oui, de faire le mauvais choix, de prendre le mauvais chemin, pour certains, de reproduire des échecs, peut-être, du passé, hein, parce que c'est ce que vous avez connu et ça engendre une peur pour l'avenir, une protection aussi. Donc j'entends, c'est important actuellement de remettre dans de l'ordre, de l'ordre, voilà, de l'ordre dans sa vie. Pourquoi on vous dit remettre de l'ordre? Parce que il y a déjà des messages que vous pouvez recevoir, des signes. Disons que là, vos guides, votre équipe de soutien, comme j'aime l'appeler, est vraiment présente actuellement et vous envoie déjà en fait. On me dit haut et fort, j'ai vraiment l'image un peu là comme dans la carte du jugement qui me vient en flash avec la trompette, vous voyez. Je vais pas vous montrer, je vais pas prendre le jeu, mais cette image de messages qui sont envoyés haut et fort, que ce soit par des signes extérieurs, que ce soit par des idées, des pensées, des rêves, ou tout simplement aussi par votre cœur, ce que vous ressentez dans le cœur. Hein. Et c'est en suivant cette voie que vous allez pouvoir remettre de l'ordre et dans votre esprit et pouvoir prendre les actions qui, bah, qui s'imposent, qui suivent ce mouvement du cœur et cet appel
cet appel que vous pouvez ressentir intérieurement. Quelle que soit la situation ici par rapport à laquelle vous doutez, que ce soit sentimental, professionnel, spirituel ou autre, on vous dit il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est important que ce mot, vous puissiez même le transformer dans votre esprit. Alors là, par exemple, on me donne le mot « épreuve ». Vous voyez, plutôt que de voir les choses en bien ou en mal, en noir ou blanc, voyez toute chose qui arrive dans votre vie comme une opportunité. Une opportunité de ce que vous voulez, mais avant tout une opportunité, en fait, de grandir. Hein? Parce que c'est bien ça, la vie nous envoie à tous des épreuves, oui, des épreuves, des défis. Pourquoi ? Pour pouvoir amener plus de lumière. Donc je reviens à ce mot parce que je le ressens, je ressens l'énergie du soleil aussi, j'ai l'image du soleil. Donc revenir à notre lumière intérieure, à notre vérité, dans la clarté, dans la joie et dans la paix. Hein? Donc il n'y a pas d'erreur. Chaque erreur, chaque chemin que vous pouvez prendre, ça amène à vivre une expérience. Hein? Même ce qui appartient au passé, le bilan, ce n'est pas une erreur, ça ne doit pas être une erreur. Au contraire, il y a tellement de choses à acquérir de nos expériences passées et de nos soi-disant erreurs. Elle est là la véritable richesse, la richesse de l'âme. Et on vous dit bien qu'actuellement, ce que vous traversez, c'est pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme. Cette fameuse lumière, c'est central, mais c'est votre âme. C'est votre âme. Donc pour beaucoup, un exercice très simple que vous pouvez mettre en place actuellement, me demandez pas comment ça va agir dans le concret par rapport à vos problématiques, juste c'est ce qui est conseillé, c'est la méditation. Je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est comme ça que je l'entends, donc vraiment la méditation, l'esprit de la méditation aussi, le but derrière ce genre de pratique, c'est ça qu'il faut viser. Hein. La paix intérieure, la sérénité, la clarté d'esprit. Parce que c'est ce qui vous permet, c'est un moyen simple de vous reconnecter à votre lumière, à votre âme. Et vous voyez, j'ai une image aussi qui me vient pour exprimer un peu tout ça. Le feu, on a beau, par exemple, vous prévenir, vous dire que si moi je dis à un enfant, bah, attention, si tu mets le doigt dans le feu là, ça va te brûler, ça va vraiment te faire mal. Même si moi je sais que c'est la vérité. Hein, c'est pas parce que je lui dis et que cette personne, cet enfant par exemple, a la connaissance qu'il a l'expérience. Donc peut-être que le mieux, c'est en effet de voir par lui-même, de faire son expérience, de faire son chemin, son propre vécu, voilà, sa propre expérience par rapport à ça. Et là, en effet, en touchant le feu, il se rend compte des réactions et des conséquences face à son action et face à ce geste. Donc, est-ce que ça a été une erreur de mettre le doigt dans le feu ? Non, parce que tout simplement, il ne le refera plus. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une victoire, c'est un succès. Et pour aller au-delà, on me dit aussi, en prenant cette image, pour aller au-delà, véritablement, est-ce que le feu, pour autant, malgré cette expérience, c'est bien ou c'est mal ? Non, on voit bien là que c'est une question de perception, parce que peut-être l'enfant pourrait dire ensuite « Ah, mais le feu, c'est vraiment mal !» Mais le feu, comme vous le savez, bah, ça permet aussi de se réchauffer l'hiver, d'être. Il y a aussi quelque chose de chaleureux, de familial au travers du feu. Donc, rien n'est bien, rien n'est mal. C'est votre perception qui va mettre une étiquette, et ça peut être OK aussi, il n'y a pas forcément de... Enfin voilà, ça peut être OK, je ne vais pas développer là-dessus. Mais faites votre propre expérience. Hein. Et c'est ça, en fait, ensuite, qui amène la foudre, qui amène les prises de conscience. Donc, simplement pour finir, et avant d'aller sur le tirage, les derniers mots qu'on me donne, c'est apprécier le voyage. Ne cherchez pas... Ne vous projetez pas en fait uniquement à la destination, au point d'arrivée, à ce qu'il y a à gagner. C'est tout le voyage qui est le plus riche en fait. Hein. C'est le voyage sacré. Voilà. Donc je ne vais pas traduire tous ces mots.
je fais appel à votre âme d'enfant pour entendre tout ça, à votre enfant intérieur, à votre âme justement qui entend ces mots. Hein. C'est dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'accueil aussi de tout ce qu'il y a sur le voyage, et c'est bien le voyage en lui-même qui est source d'infinies richesses. Voilà. Ok. Alors, je vais boire un petit coup. Donc, bon, j'ai pas mal parlé déjà. J'espère que ça résonne pour vous et peut-être que ça peut amorcer déjà un processus de changement intérieur. Alors, comme je vous ai dit, là maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur peut-être les doutes actuellement que vous avez par rapport à telle situation, telle personne. Voilà, c'est vraiment libre, hein, j'ai juste eu le mot doute. Voilà. Donc, c'est important que ce tirage et les mots que je vais vous adresser, vous vous les appropriez aussi, d'accord? Parce que ça va parler à beaucoup de mondes différents, mais vous vivez des choses différentes, mais c'est censé vous parler, c'est censé résonner. Donc, simplement, soyez à l'écoute de vous-même pendant ce tirage, détendez-vous et appréciez le voyage, tout comme moi. Et voilà, hein, il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir. Alors, donc, pour recevoir la guidance, les messages, les conseils, peut-être par rapport à vos doutes, je vais vous inviter à faire un choix entre le 1, le 2 et le 3. Pour vous aider, j'ai demandé à recevoir trois cartes en haut pour éventuellement vous aider grâce à l'image concernant le choix qui vous correspond, les messages qui vous correspondent. Voilà. Donc, alors, j'avais plus de batterie, donc la vidéo s'est coupée. Donc, tout simplement, on en revient au tirage. Donc, j'allais vous présenter les trois cartes pour vous aider dans votre choix. Donc, nous avons au choix numéro 1 cette carte. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, celle-ci. Voilà, donc prenez votre temps, laissez-vous attirer par la carte, peut-être le tas qui vous correspond le plus, et on se retrouve tout de suite. Donc 1, 2 et 3, c'est parti. Alors, on se retrouve les amis pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1. Donc, on va découvrir ensemble les messages de vos guides concernant peut-être la période de doute dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, le guérisseur de la pensée, 3 de l'émotion et le 7 de la pensée. Alors, ce qui est intéressant déjà, la première chose qui me vient, c'est le fait qu'on a une carte d'émotion au centre et deux cartes de la pensée ou de l'intellect qui l'entourent. Donc, le conseil pour vous au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement de vous centrer sur l'émotion, sur le fait d'aller en fait vers des émotions de paix, de joie, de bonheur, de partage. Donc vraiment, c'est un changement d'énergie. Voilà, on vous invite, quelle que soit la manière, à vous ouvrir, c'est ce que je ressens, vous ouvrir au niveau des émotions, au niveau de la communication, au niveau du cœur, et j'ai vraiment ce sentiment de partage pour vous, hein. Partager avec des gens qui vous correspondent, des gens qui vous veulent du bien. Il y a besoin de ce shifting en fait au niveau énergétique pour vous, parce que avec ces cartes de la pensée, hein, je ressens deux choses. Tout d'abord, cette carte pour moi vous représente, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, le mental est peut-être très présent, peut-être trop présent, prend trop d'importance, influence trop sur les décisions peut-être que vous pourriez prendre spontanées, les envies aussi que vous pourriez avoir, parce que il y a des blessures. Donc là,
pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, je ressens certaines blessures qui vous ont affecté profondément au niveau du cœur, si vous voulez, peut-être des trahisons, peut-être des échecs personnels, même si j'ai bien l'impression ici pour vous que on parle surtout de la relation aux autres, la relation avec le monde extérieur. Voilà, toutes les relations que vous entretenez, que ce soit avec des personnes que vous connaissez, de votre famille, des amis que vous ne connaissez pas aussi, et quelque part, il y a peut-être un tri à faire à ce niveau-là, hein. Donc, en fait, un changement d'énergie dans votre environnement, mais aussi dans votre intériorité. Parce que le 7 de la pensée, alors, là, ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a certaines personnes, peut-être, autour de vous, qui n'ont pas, comment dire, que des pensées bienveillantes, hein, ou qui ont certaines intentions, certains objectifs pour eux-mêmes, vous voyez, qui sont un peu liés à l'ego, à la personne. Voilà, ils ont leurs propres objectifs. Et on vous dit simplement que soyez vigilante, soyez attentive aux personnes que vous côtoyez, parce que vous avez cette capacité en fait. Quand vous êtes véritablement concentré justement, et là pour le coup en faisant appel à votre mental, donc je dévie un petit peu peut-être du tirage, mais on veut vous dire ça. Vous avez véritablement cette capacité de clairvoyance chez les personnes que vous côtoyez, dans leurs discours, dans leurs intentions. Parfois c'est vrai que ce côté-là peut vous amener une certaine méfiance, donc on en revient à cette ouverture du cœur véritablement que je ressens pour vous, qui est nécessaire. Et vous avez cette capacité en fait, quand vous êtes vraiment conscient et concentré, à percevoir clairement les gens, hein, tels qu'ils sont véritablement, avec leurs véritables intentions. Donc faites-vous confiance, peut-être qu'il y a en effet du tri à faire, on le voit ici. Donc là, on va lire un petit peu, depuis tout à l'heure, je ne disais pas. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Voilà. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Voilà. Donc, là, c'est vraiment cet aspect-là de faire du tri, mettre de l'ordre, et aussi au niveau de vos pensées, hein, parce qu'il n'y a pas forcément l'extérieur, comment dire, je vais essayer de retraduire ça mieux. Ben, tout simplement, il y a du tri aussi à faire dans votre monde intérieur, dans vos pensées. Voilà. Alimenter des pensées optimistes, des pensées de joie, hein, de joie, de partage. On vous dit aussi ici que vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Voilà, donc on en vient bien à ce changement peut-être qui est nécessaire. Nouveau départ pour certains ou une fin mais heureuse, une fin pour un renouveau. Hein, donc là, on a des messages un petit peu peut-être divinatoires. Je ne vais pas les approfondir. Moi, je me concentre juste sur ce que j'ai ressenti au départ en intuitif. Et bah voilà, vous me direz peut-être, si vous le souhaitez, dans les commentaires, comment ça a résonné pour vous. On vous dit aussi, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, donc une pause véritablement justement dans les doutes, dans les inquiétudes, aussi le overthinking, vous voyez, donc faire trop tourner la machine du mental. Si on l'alimente plus le mental, si vous voyez quand une pensée arrive, vous décidez de l'écarter, vous décidez de bah non, je vais faire autre chose, je vais faire un jeu, je vais aller voir une personne, parler avec quelqu'un, regarder un film, faire quelque chose, vous voyez, qui ne demande pas d'effort, qui demande juste de la légèreté et profiter du moment présent. C'est ça la clé pour vous au jour d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on vous annonce, parce que cette carte est centrale en plus, qu'il y a véritablement une bonne nouvelle qui arrive, hein. Donc, soyez patient et il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, vous avez aussi
Embrasser l'enthousiasme. Donc, on y vient. Ou plutôt, on nous réveille. On nous rappelle, pardon. C'est un réveil, oui. On nous rappelle ce message et vous avez le bambin doué. Donc, clairement, hein, ça, c'est dans la continuité. Vous voyez, il y a il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose en cours. C'est peut-être votre souhait aussi, hein, forcément. Si vous avez des doutes, vous aimeriez que les choses changent. Donc moi, je vois ça comme votre souhait qui est envoyé à l'univers. Vous allez avoir des réponses. Je vous l'ai dit, je l'ai dit, je ne sais plus quand, mais je l'ai dit, que vous étiez guidé en ce moment. Il y avait des signes. Donc plus vous émettez avec le cœur une demande, une intention sincère, et plus la réponse vous parviendra, et en plus rapidement. Et la clé, c'est l'enthousiasme, hein. On y revient, ça résonne vraiment avec cette carte. C'est être dans la joie, parler avec le cœur, avec votre âme, avec votre esprit, votre enfant intérieur. Donc c'est comme si on vous disait là vraiment, apprécie ce moment, cette épreuve, parce que voilà, derrière la pluie vient le beau temps. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Les choses vont se débloquer. Il y a quelques actions quand même qui sont requises pour vous, hein, donc on est déjà mettre de l'ordre dans la pensée, mettre de l'ordre peut-être dans votre vie. Voilà, créer en fait un terrain adéquat pour que le changement puisse germer. C'est vraiment la phrase telle quelle que je l'entends, hein. C'est à vous en fait de préparer le terrain, et en fait la graine du changement, on vous dit, elle est déjà plantée. Voilà, c'est comme ça que j'entends. Elle est déjà plantée. Il vous suffit de l'entretenir et de faire attention au terrain, à l'environnement, aux énergies, donc, pour que cette graine du changement s'épanouisse complètement, hein. Donc abordez vraiment cette période avec plus de joie, plus de bonne humeur, en vous connectant justement à votre enfant intérieur, parce que là, vous avez une grande force en vous, hein. C'est ce qu'on vient vous rappeler. Vous avez une force, mais une force de l'esprit, c'est ce qu'on me dit. Une force de l'esprit, une force pour pouvoir justement dépasser n'importe quel défi, n'importe quelle épreuve. C'est juste que là, actuellement, vous êtes trop dans le mental et pas assez connecté justement à la force de votre enfant intérieur. Vous voyez, le bambin doué ici, c'est votre enfant intérieur. C'est vous, hein? C'est vous quand vous êtes justement dans cet enthousiasme, dans cette joie, dans cette insouciance de l'enfance. Quand vous êtes à votre place, c'est simplement quand vous êtes dans cette énergie, quand tout est facile, fluide. Il n'y a pas d'effort, encore une fois, pour vous. Et c'est juste, on profite de bons moments, on profite du moment présent, de toutes les richesses qui sont déjà à notre disposition. Alors, je sais que là, le message que je vous envoie, bon, je vous le traduis tel quel, hein, enfin, je vous le transmets plutôt, voilà, je vous le transmets tel quel. Je sais que ça pourrait mériter une traduction, parce que c'est bien sûr un sens très spirituel aussi, enfin en tout cas je le ressens pour vous, beaucoup des messages que je vous ai transmis. Voilà, mais je suis sûr que justement les petites graines sont plantées ensemble, donc ça va faire son petit chemin. Voilà, et pour finir, vous avez, eh bien regardez, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Voilà. Donc, bah écoutez, là, je trouve que c'est une belle synchronicité. Et surtout que ça vient tout simplement mettre les mots très clairs. C'est, voilà, on vous le martèle un petit peu, hein, les mots clairs sur ces énergies. Hein? Donc ben justement, ça mérite, je pense, qu'on le relise. Donc changement, ça veut dire que les changements arrivent, c'est ce qu'on vous confirme. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours
source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Et plus vous serez dans cette énergie de gratitude, d'enthousiasme, de paix et de joie, c'est ce que je vous disais, et plus, grâce à la loi d'attraction, en grande partie, plus vous verrez se matérialiser dans votre vie, ben justement, ces nouveautés. Parce que vous ferez la place. Il y a besoin, en fait, c'est pour ça qu'on commençait par cette carte, il y a besoin pour vous de faire la place pour accueillir les miracles, les changements, les nouveautés qui vous sont destinées, en fait, qui ne demandent que de venir à vous. Vous voyez, vous avez fait votre souhait et il y a encore certaines choses qui bloquent le passage de la lumière, de l'énergie d'amour et de miracles, on peut dire, voilà, pas forcément au sens divin, mais voilà, entendez-le comme vous voulez, de miracles pour vous. Et donc, il y a certaines choses à enlever pour fluidifier l'énergie. Et vous avez aussi le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leur loi, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Voilà, donc là aussi, je trouve que ça résonne bien. C'est assez poétique, pour le coup, ce message. Je peux le garder ici, d'ailleurs, si vous voulez le relire. Ça mérite peut-être de le relire. Ne laissez pas, justement, vous voyez, le champ de bataille. On en revient à ce terrain. Hein, pour que les choses puissent grandir, s'épanouir naturellement, j'ai envie de dire, il y a besoin que le terrain ne soit pas, justement, un champ de bataille. Hein. Donc, voilà, entendez-le comme vous voulez. Je pense qu'on a eu pas mal de renseignements déjà, notamment sur le fait de mettre de l'ordre, imposer peut-être certaines règles qui sont bonnes pour vous, qui sont justes pour vous, en fait. On en est vraiment dans cette énergie aussi de vous affirmer davantage en fonction de ce que vous ressentez être juste. Allez-vous... En fait... On vous demande ici, vos guides, de quelque part d'aller chercher ce que vous voulez vraiment, ce pourquoi vous êtes véritablement motivé, enthousiasme, déterminé aussi. Hein. C'est le moment, là, c'est clairement le moment. C'est le moment du changement, de passer à l'action. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, partager, me laisser un petit commentaire aussi si vous le souhaitez. En tout cas, c'est très apprécié. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye. Alors, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va accueillir tranquillement cette guidance ensemble, les amis. Alors, on commence par le 4 de la pensée, le 8 de la pensée. Vous avez comme le premier tirage, pour l'instant, vous avez deux carte de la pensée, ok, donc liée au mental, et ici la carte majeure 19 en reconnaissance publique. Alors, ok, on va commencer déjà avec ça. Alors, première chose importante que vos guides veulent vous dire, donc avec la carte centrale ici, je ressens, c'est que beaucoup de vos peurs aujourd'hui, de vos doutes, de vos interrogations sont vraiment dans le domaine de la pensée, justement, du mental. Et en grande partie, c'est ce mental qui génère lui-même. En fait, c'est comme si vous auto-génériez des peurs, des doutes, des projections par rapport à l'avenir. Et voilà, on vous le dit, vous voyez, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion vraiment du mental. Hein? On vous dit aussi, jurez-vous de ne pas subir, jurez-vous, voilà, à vous-même, donc, de ne pas subir ce que vous vivez.
N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà. Donc pourquoi on vous dit ça ? Eh bien, parce que justement, c'est vous qui avez la clé. Hein. C'est comme si cette prison, qui est une illusion, c'est une prison qui est générée par votre mental. Donc, à tout moment, à chaque instant, si vous le souhaitez vraiment, s'il y a la prise de conscience qui s'accompagne avec ça, eh bien, vous avez la clé pour vous libérer, pour sortir de cette prison du mental. Voilà. Alors, c'est difficile de vous aider davantage par rapport à ça parce que je ne connais pas vraiment votre situation personnelle, mais simplement, le message est clair. Les peurs que vous avez, quelque part, on vous dit... Alors, je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est comme ça que je ressens, mais elles ne sont pas fondées. Il faut que vous compreniez qu'elles reposent peut-être sur des choses qui ne sont pas véritablement réelles aujourd'hui, pas concrètes. D'accord ? Peut-être que vous avez vécu des choses dans le passé qui vous amènent à croire que ça sera la même chose ou que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Voilà. C'est pour ça que vous avez le 4 de la pensée. Le 4 de la pensée, donc là, je vais juste me centrer sur l'image et après, on lira ensemble, mais c'est amener un repos du mental. Amener un repos du mental, dans un premier temps, bah déjà pour créer un apaisement, véritablement, que vous ressentirez aussi, un apaisement même psychologique, mais physique aussi. Et de cet apaisement, vous pourrez entendre, vous voyez, comme avec le coquillage, entendre eh bien, tout un tas de choses, grâce à l'intuition, grâce à des signes, grâce à des messages dans vos rêves. Vous voyez, on voit cette personne-là, les yeux fermés. Donc, vous serez plus à l'écoute, en fait. À l'écoute, non pas de la voix du mental, mais d'une autre voix. Il est bien question de ça, en fait. Ne pas écouter la voix du mental, mais écouter une autre voix. Donc, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc en effet, déjà, votre tirage correspond pas mal aussi à l'énergie pour l'instant du tirage numéro 1. Et nous avons le soleil. Alors, moi je pense qu'il y a un grand manque de confiance en vous. Il y a un grand manque de confiance en vous et vous vous dites que vous ne pouvez peut-être pas justement réussir ou accéder à telle position, tel type de relation, obtenir quelque chose voilà, de vraiment concret. Je parle aussi peut-être même dans la matière, vous voyez, aller vers une certaine abondance. Hein. Vous doutez en fait que ce soit possible. Vous doutez de vos capacités aussi à pouvoir manifester votre vie de choix, votre véritable souhait, vos véritables désirs. Mais c'est intéressant la présence de cette carte parce que, vous voyez, on vous parle de reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, donc prenez ce qui résonne pour vous à hein, chaque fois dans les messages écrits en particulier. Le reste, je vous le transmets plutôt en intuitif. Alors, justement, en intuitif, ce que je ressens ici, c'est que on vous dit que vous avez peur de ne pas y arriver. Au jour d'aujourd'hui, c'est la principale peur. Vous avez l'impression d'être bloqué, que les choses ne peuvent pas s'améliorer, alors qu'en fait, ici, quelque part, on vous promet que ça va vers une réussite, voyez, une réussite avec ce drapeau levé et l'emblème du soleil dessus. Mais, et ben dans votre esprit, c'est pas la vision que vous avez, en fait. Vous êtes dans une vision plutôt peut-être pessimiste, alors que là, on vous demande véritablement de faire preuve d'optimisme parce qu'en fait, ça va vers une réussite, vers un succès.
Donc c'est vraiment un travail de libération, de lâcher prise qui vous est conseillé. Et c'est encore une fois en effectuant ce repos du mental que vous pourrez accéder à cette carte du soleil, à cette énergie du soleil qui représente la clarté déjà avant tout, la clarté d'esprit. Savoir qui vous êtes véritablement, savoir que vous êtes à votre place, savoir ce que vous voulez véritablement. Alors, on avance avec la suite du message. Vous avez atteindre votre destination, pardon, ok, et liberté. Bon, bah, vous voyez, on en parlait, on n'a fait que de ça, d'en parler. Donc, c'est génial parce que vraiment, les cartes, enfin, elles apportent pas vraiment d'informations supplémentaires, mais elles viennent confirmer et renforcer le message, en fait, qui est simple pour vous. On vous dit que vous allez y arriver, atteindre votre destination. Vous voyez, on voit que là, ce papillon est en train de se diriger vers cette bulle-là, donc qui représente votre rêve, en fait. Ce que vous voulez atteindre ici, c'est l'objectif, c'est le souhait. Donc, on vous dit bien que vous allez y arriver, en fait. Vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes sur le chemin, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Vous avez l'impression peut-être d'être perdu, ou que vous êtes trompé, ou que vous allez vous perdre ou vous tromper, mais non. Faites confiance véritablement à votre cœur, à votre âme qui vous guide, parce que eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, on retrouve encore Your light is shining brightly. Ça veut dire votre lumière brille fort, 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 quoi. Donc, c'est vraiment cette carte du soleil, de la lumière ici, le numéro 19, arcane majeur. C'est cette énergie qu'il faut que vous mettiez en avant, qu'il faut que vous recherchiez. Et cette énergie, elle est déjà en vous. C'est la reconnexion à soi. À soi, à son véritable soi, et non pas à l'ego. Ici, c'est l'ego qui prend le pouvoir, en fait. C'est l'ego qui prend le pouvoir et qui, ben voilà, qui vous amène dans une confusion et dans une certaine aussi inaction. Là, on est dans l'inaction, dans la passivité, dans la peur, et ici, au contraire, c'est la confiance, la détermination, la clarté. Donc la clé, je la ressens, hein, elle est ici. Elle est dans cette carte. Simplement en reposant un peu le mental. Et donc, vous voyez, on a bien la carte de la liberté. On n'a fait que de recevoir ce mot au travers de la guidance juste avant. Donc, libérez-vous. Vous voyez, on retrouve, c'est intéressant là, cette cage qui représente la prison du 8 de la pensée, la cage, mais qui est en fait une prison intérieure. Vous avez le pouvoir de vous en libérer. En vous reconnectant, encore une fois, vous voyez là, on a ce personnage avec des ailes, donc c'est symbolique, bien sûr, c'est vous, en fait, c'est vous, c'est votre moi angélique, c'est votre moi divin, c'est votre moi supérieur, c'est tout simplement la vraie version de vous-même, ce que vous êtes véritablement. Voilà. Donc, libérez-vous. Libérez-vous et j'entends aussi espoir. Il faut vraiment que vous cultiviez cette pensée d'espoir, d'espoir que les choses vont s'améliorer, peuvent s'améliorer. Et pour finir, vous avez fais-le maintenant. Donc, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc on vous encourage vraiment à passer à l'action d'une certaine manière. Mais je dirais, avant de passer à l'action, c'est important que vous passiez par cette phase, bah, d'abord de reconnexion. Hein, de reconnexion, de reconnexion à vous, de pause, de vacances, mais voilà, lâchez prise avec ce mental.
Lâcher prise, c'est aussi vous désengager. J'entends ce mot, vous désengager. Hein? Ne subissez pas vos pensées ou émotions. Vous avez la capacité de reprendre le pouvoir, en fait. Vous avez capacité de reprendre le pouvoir sur tout ce qui émane à l'intérieur de vous, puisque c'est vous. Et vous avez l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà, donc là, je sens que j'ai pas grand-chose à ajouter. C'était un petit message personnel que vos guides veulent vous transmettre, un message de fin, un message de vérité aussi. Elle est là, votre vérité intérieure, hein. Vous êtes une personne unique. Donc, n'ayez pas peur d'être dans votre pleine vérité, dans votre pleine intégrité, d'être vous-même et de laisser donc briller ce que vous êtes, puisque vous êtes une belle lumière. Vous êtes une âme libre. Voilà. Alors, j'ai un dernier message à vous transmettre là que je capte, c'est que pour certains, il y a aussi le découragement. Il est possible que vous vous sentiez découragé parce que oui, vous vous dites, mais non, j'ai mis beaucoup de choses en place, mais j'ai fait des efforts, j'ai agi, j'ai mis des actions, mais en fait, c'est que ça n'arrive pas encore. On vous dit simplement patience. Patience, continue tes efforts, ne te décourage pas, ne te mets pas des pensées en tête comme quoi, eh ben, ça pourra pas le faire, que tu n'es pas capable, etc., etc. Parce que au bout, bien sûr, qu'il y a la réussite. Félicitations, hein, c'est véritablement le premier mot. Félicitations, point d'exclamation, reconnaissance publique. Donc tout le monde verra les efforts, le chemin que vous avez parcouru pour réussir. D'accord? Mais voyez que ça se fait dans le temps, c'est progressivement. Pour vous, je sens qu'il y a simplement plusieurs étapes, plusieurs peut-être prises de conscience aussi qui doivent arriver sur votre chemin, qui vont vous amener enfin à cette reconnaissance de vous-même, cette affirmation de vous-même et à cette réussite personnelle. Parce qu'on vous le dit bien, vous avez la capacité d'atteindre votre destination, votre rêve. Voilà. Donc j'espère vraiment que mes amis, ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire aussi sur vos ressentis par rapport à ce tirage, cette guidance. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut! On se retrouve pour vous qui avez donc choisi Père Castor, le choix numéro 3. Donc, on va vraiment accueillir la guidance tranquillement ensemble. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Et simplement, soyez à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. Alors, par rapport à vos doutes, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Donc, on a le 8 de la prospérité, le messager de la prospérité. Et le 4 de la prospérité. Donc vous avez véritablement un tirage qui se démarque complètement des deux autres, qui avaient pourtant, eux, des énergies un peu similaires. Alors, donc, je vais prendre quelques instants parce que je sens que pour vous, c'est des messages totalement différents. Alors, on a trois cartes qui correspondent en fait au domaine ici des deniers. Des deniers dans le tarot, donc de l'élément de terre, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est concret. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez des doutes, des peurs aujourd'hui parce que il y a une nouvelle opportunité, un nouveau chemin qui se présente à vous. Peut-être il y a une proposition qui a été faite, vous avez reçu, voyez, un message, une opportunité, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi bien être professionnel que sentimental, que quoi que ce soit, d'accord? Mais on est quand même sur quelque chose d'assez terrestre, voilà. Je peux pas trop le traduire autrement, qui concerne vraiment un peu le quotidien, des choses importantes du quotidien et la matière, voilà. Donc,
En fait, il y a cette opportunité, il est possible aussi qu'il y ait cette idée pour vous, cette idée nouvelle de vous engager sur un chemin différent, peut-être un nouveau chemin, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ce que je ressens, c'est que il y a une autre partie de vous aussi qui peut-être, comment dire ça, se retient en fait, se retient d'aller dans telle ou telle direction parce que. Parce que quoi? Alors je vais demander, je voudrais la suite s'il vous plaît, parce que. Ok, on parle de zone de confort, d'accord. Donc, simplement, aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément dramatique ou défavorable, et il y a une certaine. Oui, peut-être une peur de l'inconnu, peur de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc pour certains ici, ça peut concerner un nouveau travail, hein, une formation aussi, une réorientation professionnelle, hein. Et bah, peut-être que pour certains, vous pourriez vous dire bah, pourquoi je ferais ça alors que par exemple aujourd'hui, j'ai déjà un travail, j'ai déjà un salaire, au niveau des horaires, je ne sais pas, moi, c'est pas trop mal, etc. Vous voyez, peut-être que vous avez tendance à positiver quelque part ce que vous avez ou à voir tout ce qui est bon en fait dans ce que vous avez déjà. Alors ça, c'est une bonne chose, hein, clairement, on vous dit que c'est une bonne chose. Mais d'un côté, eh bien, bah, si on se contente toujours de ce qu'on a, on n'aura jamais rien de plus. Vous voyez, j'ai vraiment cette phrase. Et là, aujourd'hui, en fait, on vous dit, vous méritez plus. Il y a la vie veut vous offrir. Des nouvelles choses, peut-être des choses, oui, inconnues, des choses que vous allez découvrir. Voilà, donc je ne sais pas du tout quelle est votre problématique, je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène sur cette vidéo, sur ce tirage, mais l'idée principale, c'est celle-ci. Si vous vous contentez de ce que vous avez, vous ne pourrez pas avoir plus. C'est littéralement, c'est très juste, quoi. Voilà. Alors, on va juste voir un petit peu aussi ce que nous disent les cartes en détail. Donc, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Voilà, c'est ce que je vous disais pour certains que je ressentais. Chaque détail à son importance. Sachez en tenir compte. Ok, messager de la prospérité vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Donc peut-être que cette nouvelle est déjà présente, mais que bah, vous ne savez pas comment l'accueillir justement. Peut-être que vous n'êtes pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça. Donc changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée, par exemple. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc on est vraiment sur cette notion ici-là de nouveau départ, nouvelle opportunité, commencer un nouveau chemin. Bah pour moi, c'est de ça que vous avez peur, justement. Vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de vous engager et de ce que ça va vous demander en fait. Peut-être que vous anticipez que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration pour aller dans cette direction. Mais ça, c'est parce que il y a des peut-être certaines pensées aussi, pensées limitantes ou croyances limitantes. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, j'ai juste ce message et je ne connais pas votre situation précise, malheureusement. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on apprend avec le reste. Et donc, le cas de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que
Soyez dans le don de vous-même. C'est, je ne sais pas comment vous l'exprimez par rapport à votre situation, en fait, mais vraiment, c'est donner de votre énergie, de votre temps, de votre argent, bien sûr, bah, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Ça ne pourra être que bénéfique. En fait, ce que vous allez investir dans la résolution peut-être de la problématique ou dans le choix que vous allez faire, voilà, hein, c'est ça, en fait, qui va vous être retourné. N'ayez pas de doute, ne pensez pas que vous allez perdre quelque chose dans l'histoire. Vous avez véritablement tout à gagner. C'est clairement le message. Vous avez tout à gagner. Vous avez aussi, alors, Finding Sanctuary. OK. Et besoin de spiritualité. Bon, bah pour le coup, les deux cartes, c'est la même chose. C'est intéressant d'ailleurs, parce que dans tout ce tirage, même avec les autres, il y a souvent eu des messages qui étaient très simples au final, très, très directs aussi, comme c'est le cas par rapport à ce que je viens de vous donner, mais on les martèle, voilà. C'est vraiment, ça revient deux ou trois fois dans la guidance. Donc, là, on change un petit peu d'énergie. On vous dit que actuellement c'est très important parce que ça vient de votre enfant intérieur, c'est un désir de votre enfant intérieur de vous reconnecter à vous-même, besoin de spiritualité. Donc il y a des ouvertures, en fait, il y a véritablement des ouvertures spirituelles, des avancées spirituelles qui vous attendent sur ce voyage, sur ce chemin. Peut-être que la nouveauté aussi qui est dans votre vie ou que l'on va mettre dans votre vie, c'est justement pour amener une ouverture spirituelle, une ouverture de la connaissance de soi. Pour certains, peut-être que vous hésitez justement parce que vous aimeriez plus vous tourner vers la spiritualité, vers l'ésotérisme, vers le travail, je ne sais pas moi, par exemple sur l'énergie ou des choses comme ça. Et il y a des hésitations, il peut y avoir des peurs justement parce que vous voulez peut-être rester plutôt dans le côté matériel, terre à terre. Peut-être que vous avez eu cette éducation-là aussi. Mais c'est intéressant parce que là, on a vraiment le côté terre et là, on a le côté... On pourrait dire air, quoi, l'air, l'élément air, spiritualité. Donc déjà, on a une sorte de solution ici, c'est un détachement vis-à-vis des préoccupations, on va dire, terrestres. Voilà, plus pour vous élever au niveau spirituel. Il y a beaucoup de, vous avez beaucoup en fait de connaissances ou de dons cachés en vous. Et moi, j'ai l'impression que l'univers vous envoie des signes actuellement, va amener du changement en fait. C'est clairement ce que je ressens. Hein. Ça va vous amener de véritables changements pour vous engager peut-être sur un nouveau chemin. J'ai vraiment ce ressenti qu'on est sur de la nouveauté. Et ça, c'est pour vous amener, au final, à vous retrouver véritablement, vous-même, pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire avancer, évoluer. Vous avez aussi un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de trop traduire le message. On vous annonce un résultat positif par rapport au questionnement que vous traversez aujourd'hui, par rapport à la situation ou aux doutes actuels. Les doutes qui sont symbolisés ici par les nuages. Et vous avez aussi la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. D'accord.
Donc, vraiment, on vous invite à vous reconnecter. Vous voyez, on a l'âme ici à côté de la spiritualité. Donc, à vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à votre cœur. J'ai le sentiment que vous avez besoin aussi, pour cela, en fait, ce qui va vous aider, c'est d'accueillir véritablement vos émotions. Vos émotions, vos sentiments aussi. Y a un approfondissement à faire à ce niveau-là, d'accord? Parce que y a des choses peut-être que vous désirez ne pas voir, ne pas être confronté peut-être au niveau intérieur, au niveau émotionnel, et pourtant, c'est bien ce qui pourrait vous aider actuellement. Hein? Parce que c'est en allant accueillir vos émotions, en les acceptant, en les comprenant et en avançant avec, que vous allez pouvoir mieux entrer en communication avec votre âme. Votre âme, principalement, elle entre en communication avec vous par le biais de vos émotions, de vos ressentis intuitifs aussi. Mais pour ça, c'est vrai que ça demande d'élever vos vibrations, de vous créer peut-être, vous voyez, hein, on a Finding Sanctuary, donc de vous créer peut-être un petit sanctuaire où symboliquement, ça peut être un moment, vous voyez, un moment dans la journée où vous dites, bah tiens, là, c'est mes 10 minutes, c'est mon petit sanctuaire. Après, vous pourriez faire des visualisations, vous voyez, des méditations ou des visualisations sur... Bah d'ailleurs, je crois que ça existe. Essayez sur YouTube, méditation, sanctuaire ou sanctuaire intérieur. Donc, je pense que ça peut être véritablement une bonne piste déjà pour commencer pour vous. Mais dans tous les cas, pour moi, vous êtes en fait déjà sur le bon chemin, parce que déjà, on va vers des résultats positifs. Et il faut que vous ayez confiance. Il ne faut pas que vous ayez peur de l'inconnu, de choses auxquelles aussi peut-être vous n'êtes pas familiarisé, vous voyez, parce qu'il y a certaines croyances, comme je vous ai dit, qui peuvent vous bloquer. Voilà, donc je ne sais pas comment ça vous parlera. Dites-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez-moi un peu vos ressentis, parce que bien sûr, vous êtes beaucoup à avoir choisi ce tas aussi, et donc ça fait... autant de personnes, autant de situations différentes. Voilà. Malgré tout, j'espère que ce tirage vous aura parlé, si possible, aidé. Voilà. Je vous retrouve le plus vite possible. Et en attendant, je vous embrasse, les amis. À bientôt.